Connaissez Prométhée? Oui. Parlez-nous du Prométhée. Qu'est-ce qui est arrivé? Quels sont les malheurs qui sont arrivés à Prométhée? C'est la mythologie grecque. Ouais. Je n'ai plus trop de ce qui m'est arrivé. Ah bon? Ouais, c'est un personnage très important, Prométhée. Ouais. Très très important. Pourquoi il est puni? Il a été puni. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une faute. Oh. Alors, Philippe, quelle est la faute qu'a commis Prométhée? Comment? Prométhée, vous connaissez Prométhée? Oui, moi je connais pas. Ben, alors, c'est vraiment le niveau de sixième, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait Prométhée? Quel châtiment on lui a imposé et qu'est-ce qu'on lui a reproché? Il se compare à Dieu, il a volé le feu. Ça a rapport avec le feu, je crois. Ah, il avait volé le feu de sa tête, ça. Ben voilà. C'est un peu l'équivalent de Lucifer, c'est le même thème. Oui. C'est pas vous qui parliez de Lucifer l'autre jour? Eh ben alors, Prométhée, c'est un rapport avec Lucifer. Et l'enfer, il avait pas une sorte de... Il devait toujours recommencer de la même action, c'est ça? Non, c'est pas celui qui monte sa roche. Ça, c'est Sisyphe. C'est Sisyphe. Comment il a été puni, Prométhée, pour avoir fait ce qu'il a fait? C'est-à-dire qu'il a volé le feu pour le donner à qui? Aux hommes. Qui ne méritent pas. Il a été enchaîné à la roche Tarpéenne. Bon, alors, il a été enchaîné, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, c'est pas ça. Vous vous confondez avec autre chose, mais c'est pas grave. Il a été puni, il a eu un supplice qui consistait à quoi? Enchaîné, on est d'accord? Non, il n'était pas enchaîné. Ah, c'est pas un aigle qui lui bouffait les yeux? Oui, un aigle. Un aigle qui lui bouffait le foie. Ah, le foie. Ouais. Qui lui dévorait le foie. Un aigle. Un aigle. Et ce foie... Il se reconstruisait à chaque fois. Il se reconstruisait. C'est un foie qui était constamment refait. Voilà. Il doit y avoir une symbolique derrière ça, le fait que le foie se reproduise. Mais justement, on est en train de vous parler de ça maintenant. Ce personnage Prométhée, il vous fait penser à qui? À qui d'autre? À quel autre personnage il pouvait penser, Prométhée? Et dire Lucifer, vous parliez de Lucifer tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est Lucifer? Qu'est-ce qu'il a fait Lucifer? Lucifer, vous savez quoi sur Lucifer? Qu'est-ce que c'est Lucifer? C'est un diable. Oui, et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on lui reproche? D'où il vient? Oui, il vient du feu, puis il a mis du feu, il a méprisé. Non, mais répétez pas ce que dit Philippe, excusez-moi. C'était l'ange le plus aimé de Dieu, et Dieu l'a maudit en feu. C'est plutôt l'ange de l'enfer. Le Dieu de l'enfer. Alors, quel est le personnage biblique qui évoque le personnage de la mythologie grecque? Qui évoque Prométhée. Hein? C'est son futur oui. Avenger. Mais attention là, c'est une question à 1000 balles. Là. Jésus? Hmm? C'est Jésus. Il souffre aussi qu'il est enchaîné de ça. C'est Jésus. Bravo. Mais je suis intelligent, ils sont bêtes. Ah ben j'ai toujours dit que vous étiez aussi au-dessus là. C'est pas nouveau ça. Ce sont des cons. Non mais lui effectivement il a un cerveau comme ça. Moi je savais que c'était Jésus, mais j'ai pas voulu vous le dire. Ah. J'ai pas voulu vous le dire parce que je ne veux pas rentrer dans ce genre de. Ah oui d'accord. Donc effectivement. Pour les gens catholiques. Mais il n'y croit pas à l'église pour moi. Non mais il a raison, il a dit qu'il ne voulait pas parler de ça. Non, il n'y a pas pensé. Regardez son regard. Non, je ne sais pas. On ne saura jamais s'il y avait pensé. Regardez ses yeux. Quant à Mousse, il n'y a pas pensé du tout. Hein. Oh non, moi j'étais ailleurs. Voilà, mais vous êtes ailleurs, vous restez ailleurs. Apparemment, vous n'êtes pas partant là-dedans. Hein. Bon. En tout cas, franchement, là, il est à la hauteur de sa réputation, hein, Philippe. Hein. Là, il est puissant. Tu vous filmes, là? Comment? Non! On te filme pas une seconde! Oui! Non, mais tu vois bien que la caméra n'est pas dirigée vers toi. C'est clair. Non, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Il faudrait mettre des lumières pour le contraste. Assise de fer. De pas et pas. Alors, on va lui faire passer le... Bon, donc, bravo.